c'est-à-dire nous avons 220 000 habitants, 66 000 au Libre Hadashim. Sur les 66 000 Pradashim, nous avons 12 000 francophones depuis 1989. 12 000. 1989. D'accord ? Que l'année dernière, où il y a eu 7 300 olives en Israël, il y a eu 2160 olives sur Nathania. C'est-à-dire pratiquement un olé sur trois est arrivé à Nathania. L'année d'avant, on a eu 1763 olives sur Nathania. Alors, beaucoup me demandent, mais pourquoi Nathania? Pourquoi? Il y a la mer, il y a le soleil? Non. Il faut savoir que Nathania, nous sommes le plus gros système d'intégration francophone en Israël. Avec moi, je ne travaille pas tout seul, j'ai les épaules larges, mais il y a des limites. Je travaille avec moi toute une équipe, il y a avec moi encore trois autres collaborateurs qui sont aussi chefs de projet en même, sur le même plan que moi, dans d'autres domaines. Aujourd'hui, nous avons six médiateurs, coordinateurs dans les écoles. On a quelqu'un ici qui est dans la salle Shaoul qui s'occupe des jeunes, 18-35 ans. On a quelqu'un qui s'occupe aujourd'hui de la jeunesse aussi. On est en train de monter un club. Donc c'est une grosse machine qui est mise en place. Beaucoup d'argent de la mairie. D'accord ? Peut-être que vous en rendez pas compte. C'est des millions, on parle par millions. Il y a des associations qui sont très actives. On a le Casifa, on a la Viso, on a le Pnébrit, on a Adir qui commence à agir maintenant. Donc nous avons énormément d'activités sur Nathania. Et bien évidemment, nous avons aussi des collaborateurs avec nous dans les projets, qui sont amis, qui sont Volson, et qui sont surtout quand l'Israël Haverim, qui commencent à agir. Et donc vous voyez, il y a beaucoup de travail qui est fait sur le terrain. J'ai dit ami. On en a entendu parler, mais ça n'existe plus. Monsieur Gosselin, quand vous voulez, on s'assoit et je vous dis exactement le centime près combien il donne pour la ville. C'est pas parce qu'on crie pas sur les toits ce qu'on fait qu'on ne fait pas. Ici, c'est moi le chef de projet et c'est moi qui dirige ici l'intégration. Et c'est pas besoin que tout le monde parle. Vous savez, vous, combien Kiar donne d'argent? Ils donnent aussi beaucoup d'argent. Ils sont aujourd'hui dans deux écoles très actives. C'est un pilote pour le pays. On est en train d'essayer, on est en train de voir. Et ça marche très très bien. Tout ça passe par ma coordination. Maintenant, comme moi, nous sommes 19 dans le pays. C'est un sujet que je connais un petit peu, parce que Kiar, comme vous le savez, c'est l'Alliance israélite universelle. Comme moi, nous sommes 19 dans le pays, du nord, depuis Haïfa, par Tibériade, jusqu'à Elal, Haïfa, Jérusalem, Ashdod, Ashkelon, beaucoup d'autres villes, et dans les territoires aussi libérés. Je voudrais revenir sur quelques points qui ont été dits. Nous avons aussi... Vous appelez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Fredo Pachter. Vous dites Fredo, tout le monde... nous avons aussi un département, le seul en Israël, un département francophone aux services sociaux de la mairie qui travaille. Nous avons plus de 120 volontaires avec, en association avec l'agent juif Babaït Beyachat. J'ai ouvert mon débat en disant que la critique était facile. Dans l'emploi, nous avons quelqu'un qui travaille. Il y a énormément d'aide pour les ouvertures de société. On a des formations, on a énormément de choses. Mais moi, je voudrais me tourner ce soir vers Kalita et leur dire que l'Aliya, c'est une belle histoire. Mais je crois qu'il faut commencer à travailler depuis la France. Il est impossible de venir en tant qu'immigrant sans parler. La clé de la réussite, c'est la langue. Et vous vous en rendez compte aujourd'hui. Chaque minute, chaque seconde. Il est obligé d'ouvrir des ulpanes en France, de commencer à faire prendre conscience aux gens qui veulent venir en Israël, d'apprendre la langue. Et vous verrez que les problèmes seront beaucoup plus simples. Monsieur, vous n'aurez plus personne pour prendre un rendez-vous. Vous parlez hébreu. D'aller dans les écoles. Je reviens de France, il y a un mois, on a été dans 4 écoles en France. On est rentré de chez les terminales. On leur a demandé comment vous vous appelez en hébreu. Mashlomcha, Erkorim Lecha. Ils nous ont regardé avec des yeux globuleux. Ils ne savaient pas de quoi on parlait.
Ils ne comprennent pas l'hébreu, ils sont en terminale, ils ne savent pas parler. D'accord? Donc je pense que c'est une question vraiment capitale pour commencer à travailler sur l'alliance. Deuxièmement, on ne prépare pas une alliance en 2 mois ou en 3 mois. On prépare une alliance en 2 ans et 3 ans et 4 ans. J'ai des gens qui se retournent vers moi aujourd'hui qui me disent on veut monter en 2020. Je lève pas les sourcils. Je comprends. C'est pas une chose facile de déraciner un arbre. C'est très long, c'est très difficile et très douloureux. On est obligé de commencer les équivalences et les reconnaissances de diplômes depuis la France. Ne pas attendre d'arriver en Israël. Donc si déjà on arrive à ces 2 points, avec la langue, avec le diplôme reconnu, l'alia sera beaucoup, beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Donc, il y a des solutions. C'est vrai qu'on est encore jeune. C'est vrai qu'on est encore jeune dans l'alia. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je peux vous donner les chiffres de 2013 et 2012, où on était à peine 1700 ou 1600 au Liban. D'accord? Donc l'alia de France, elle est toute nouvelle, c'est tout neuf. Il ne faut pas monter sur les grands chevaux. C'est sûr qu'on en a encore pour une dizaine d'années. Il y a encore une vague de 10 ans à venir de l'Alia de France. Je ne pense pas aux chiffres qui sont annoncés sur une population de 480 000 juifs en France. Je ne pense pas que cela monteront. Il y a quand même 70% des Bolégaudes. Je pense que le Garin, les chiffres, les vrais chiffres sont à peu près, et c'est ce que l'agent juif aussi se base, sur 50 000 juifs qui doivent monter dans les 10 années à venir, ou dans les 5, entre les 5 et 10 années à venir. Ça va dépendre aussi de la situation socio-politique, mais ce que je veux dire, c'est que on souhaite bonne chance en tous les cas à Kalita. C'est une excellente idée de fédérer toutes les associations, tout le monde travaille dans son coin, tout le monde est actif, tout le monde veut faire beaucoup, et c'est ce qu'on a essayé de faire sur Natania. On travaille tous main dans la main, je travaille avec le CAS, je travaille avec la Viso, je travaille avec Kiaf, je travaille avec tout le monde, ça se passe très très bien. Il n'y a aucune raison qu'au niveau national ça se passe moins bien. Je pense que le travail doit être fait d'abord en amont, et continuer ici en Israël. Bonsoir à tout le monde. Garde l'espérance, ne crains jamais le sort. En silence, résiste et sois fort.